Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'épisode 2 de Fallout 4 avec votre youtubeur préféré, l'élite de l'élite, le susnommé Marvin Schrödinger. Alors aujourd'hui, la dernière fois, on avait terminé tout simplement le début du jeu. On était dans le bunker, là, juste là, voilà. Et on est rentré, tout allait bien ici, c'était verdoyant, tout ça, et on est rentré, il s'est passé des trucs, on est ressorti, et voilà, plus rien, tout cramé. Et bon, on continue, on va prendre l'arme, dans le doute, bon. Ah bah on continue, bah c'est parti, qu'est-ce que c'est que ça c'est... Et si je tire là-dessus, là ? Ah bah ça fait rien, bah c'est bien. Alors, je l'ai déjà fait, hein, ce jeu, mais j'avais envie de me le refaire, waouh ! J'avais envie de me le refaire parce que... C'est un jeu culte, hein, d'accord. Alors, bon. Il va falloir... Il me semble... Oh, des armes, c'est bien ça. Attends, je voulais voir un truc vite fait avant de continuer. Est-ce qu'on peut retourner dedans? Pas pour le moment, bon. Là, j'imagine qu'il doit y avoir des trucs aussi. Là. Ouais, c'est bien. Des bouteilles de Nuka-Cola vide. Radaway. Pinceau, planche à découper, rien à foutre de tout ça. C'est quoi ça? Où tourne l'ascenseur papier? Ouais. Ouais, ta gueule. Alors, il me semble qu'on doit retourner. Dans la ville où on était. C'était par où? C'était par là? Bon. Si c'était par là, bah j'y vais. Ok. Appuyez sur les pour sprinter. Bref, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure, là. Qu'est-ce que tu crois, là? Ah oui, mais j'ai plus de... Attends. Non, mais c'est pas par là. Votre truc, là. Parce que t'es bien gentil, mais moi, j'étais pas arrivé par là. Ou peut-être qu'il faut... Ah, attends, voilà, c'était par là. Ok. Bah, c'est parti. Ah, bah, tu vois, ceux qui étaient là avant, bah... Ils sont tous partis, il va cramer. Ah, c'est con, ça. Oh, putain, dis-moi pas que j'ai envie de pisser, là. Je sais pas à quoi ça sert, mais je prends dans le doute. Attends. Allez! Bon. Bon, à 40 mètres, il faut aller à 40 mètres. Oula, qu'est-ce que c'est? Sanctuary, d'accord. Oh mon dieu, ça a bien changé. Hein. Oh, fichtre. Ah, oh, je m'en souviens, c'était un quartier paisible et à la fois animé. Ah. Crossworth. Barbe. Oh, il me reconnaît? C'est vraiment vous. Ah, attends. Je voulais affichage, je voulais un truc parce que je pense à vous. Voilà. Sous-titres des dialogues. Sous-titres généraux. Sous-titres généreux. Putain, je suis le meilleur. On va citer. Pip-Boy. Pip-Boy. Couleur Pip-Boy. Ça m'a les couilles. Bon, bah voilà, c'est tout ce que je voulais. Ah, alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible, tout est mort, toujours là. Bon bah, qu'est-ce qui s'est passé? Cotsworth. Putain, j'avais oublié sa gueule. Qu'est-ce qui est arrivé au monde? Au monde, monsieur? Eh bien, mis à part le fait que nos géraniums continuent de faire des jaloux à Sanctuary Hills, j'ai bien peur qu'il ne se soit pas passé grand-chose par ici. Mais la maison sera bien plus animée maintenant que vous êtes de retour, votre épouse et vous. Où est madame, d'ailleurs? Tueur... Hein? Tueur de ma femme? Elle ne peut pas être morte. Ils l'ont tuée. Au ciel. Allez, on va jouer le mec qui est dans le déni. Allez. Elle ne peut pas être morte.
C'est pas possible. C'est un mauvais rêve. Il est moche. Un cauchemar. Con. Et dans le déni. Ces choses que vous dites, ces choses affreuses. Je crois que vous avez besoin d'une distraction. Oui, une distraction pour lutter contre cette déprime. Cela fait une éternité que nous n'avons pas pratiqué d'activité familiale. Nous pourrions peut-être jouer aux dames. Ou pourquoi pas. Mais bien sûr. Pour chose oublier la mort de ma femme, fait. Jouons aux dames. Avec vous. Ah, Sean, c'est le gamin. Tu as vu Sean? Ça n'a pas de sens. On me l'a pris. Il a été enlevé. Ça n'a pas de sens. Je n'y comprends rien. Qui aurait pu vouloir enlever mon fils? Ça n'a aucun sens. C'est encore pire que ce que je pensais. Ah. Attends pour vous moi. Souffrez de paranoïa qui est sûrement due à la faim. C'est le genre de choses qui arrive quand on ne mange pas pendant 200 ans. J'en ai peur. 200 ans? Ah, je crois que c'était 50, mais... c'est impossible. Ah, réponds-moi. Je vais bien. 200 ans? Quoi? Qu'est-ce que tu... Un peu plus de 210 ans, en fait, monsieur. Plus ou moins quelques minutes. En raison de la rotation de la Terre et d'un léger... Non, pour 200 ans, il est pas si étonné que ça, quoi, ça mec. Ça signifie que vous avez deux bons siècles de retard pour le dîner. Souhaitez-vous que je vous prépare une petite collation? Vous devez avoir faim. Vos interlocuteurs refuseront parfois de vous payer et de vous révéler ce qu'ils savent. Eh merde. Quand vous tentez de persuader quelqu'un, la difficulté est d'aller quelques jeunes. Cotsworth, tu as un comportement un peu étrange. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh monsieur, c'était affreux. Ah bon? Deux siècles entiers sans personne à qui parler. Ni personne à servir. J'ai passé les 10 premières années à essayer de cirer les sols. Mais rien ne permet de ravoir les planchers quand ils ont subi des retombées atomiques. Rien. Et je ne vous parle pas de la futilité de faire les poussières dans une maison qui s'est effondrée. Et la voiture? Comment faire pour polir la rouille? Ah bah ça, bonne question. Qu'est-ce que tu sais? Se concentrer. Arrête. On se concentre. Reste avec moi, mon vieux. Concentre-toi. J'ai bien peur de ne rien savoir du tout, monsieur. Les bombes sont tombées et vous êtes tous partis précipitamment. J'étais certain que vous et votre famille étiez morts. J'ai retrouvé cette holobande. Je pense que madame souhaitait vous en faire la surprise, mais... ce que vous savez, c'est produit. Salut Trésor. Une holobande, c'est déjà bien. Ce n'est pas grand-chose. Merci, ce n'est pas grand-chose. C'est donc tout ce qu'il reste. Ce n'est pas tout, monsieur. Ah. Il y a aussi vous. Ah, quand même. Et moi. Bon, je me suis suffisamment apitoyé sur mon sort. Souhaitez-vous que nous inspections le quartier ensemble? Peut-être retrouverons-nous madame et le jeune Sean. Du danger, peut-être. Non, oui, on va rester dans le déni. Je ne sais pas, Cotsworth. Je... Suivez-moi. Ok, bon, allez Cotsworth, on te suit. Avec ton réacteur, tu crames pas les... Tu crames pas les herbes, là, les buissons. Ah, c'est... Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est bien. Qu'est-ce que c'était que ça? Il n'y a rien d'autre ici que quelques mouches. Attendez. Mes capteurs détectent du mouvement dans une autre maison. Suivez-moi. Attends, je vais fouiller, moi. Chewing-gum. J'aime bien les chewing-gums. Ah ouais, il s'est déjà barré, lui. On va le suivre, la tête de chibre. Je crois que nous allons nous amuser. Ah bon? Ah! Plein de poire! Saleté. Putain, il a réussi à me chier dessus! Nous avons assuré le spectacle. Les dégâts de radiation sont réduits en santé maximum. Consultez le docteur Rarway. La famille n'est pas là non plus. Ils ont vraiment disparu, n'est-ce pas? Ah, et maintenant, Sean est en vie.
Perte de temps. Ne t'en fais pas. Shoné, t'as envie. Non. On va rester toujours dans le déni, écoute. T'es content de toi? Merci de m'avoir fait perdre mon temps. Je voulais juste vous aider, monsieur. Vous pourriez peut-être essayer Concorde. J'ai vu des gens dans le secteur, et ils n'étaient pas très lourdement armés. Concorde, sarcastique. Ça ne m'aide pas, merci Crossword. Sarcastique. Ces gens-là me plaisent déjà. Oh, parfait! Dans ce cas, peut-être que vous vous entendrez bien avec eux. Il n'est pas sarcastique, le robot. Et vous aider à retrouver le jeune Sean. Je vais rester ici afin de protéger notre foyer. Inspecter Concorde. Alors déjà, je vais inspecter par là. Oula, pourquoi ça rame là? Pourquoi tu rames, toi? Petite voiture, rocher, on s'en fout. Je sais qu'il y a des trucs à prendre. Je le sais. Costume propre. Alors. Eka. Il n'y a vraiment plus rien. Chez moi. Chez moi, c'était quoi? C'était là. Voilà. On va quand même fouiller, fouiner un peu chez moi. Parce que quand même, il y a peut-être des trucs. Non. Scotch. Ouais, fusible, allez. Oui, pour cet épisode 2, j'ai changé les graphismes. Un petit peu. J'ai mis de meilleurs graphismes. Et ben, je crois que c'est à cause de ça que... Ben, il y a des petits drops, hein, à droite à gauche. Hein. Eh oui. Quoi ça? Novice. Allez, on va tenter. Alors, crochetage. Déplacer la souris pour ajuster la position de l'épingle à cheveux. Appuyez sur A pour faire tourner le tournevis. Si l'épingle est correctement placée, la serrure pourra tourner complètement et s'ouvrir. Si la serrure résiste, lâchez A et repositionnez l'épingle à cheveux. Ok. Da. Na. Plutôt par là alors. Voilà, c'est moi ou c'est pas moi? Ça y est. Argent d'avant-guerre. Arme de fortune. On prend ça, on prend ça. Oui, cartouche, très bien. Ça vaut combien ça? Valeur 4, on s'en fout. Valeur 50, ouais, ça c'est bien ça. Montat. Radix. Très bien, ouais, merde. Très bien ça. Ça c'est bien ça, j'aime bien. Ok. Bon, bah on va aller à Concorde, les amis. Hein? Alors. Carte. Dans l'onglet carte, sélectionnez le marqueur avec mousse 1. Instantanément, ce lieu maintenez... Ah, n'importe quoi. Carte. Ok. Mousse 1, placez marqueur. Ok. Retirer marqueur. On s'en fout. Ah! Donc. On va y aller, hein. Bah, c'est parti. Non. Je m'en souviens, il fallait passer par là. Voilà. Je comprends pas. Il y a des petits coups de drop là, alors que c'est. Ça ne devrait pas se faire. On en a pour un petit moment, les copains. Donc, allez vous chercher des pop-corn, quelques coca, cartouches, grenades à fragmentation, engrenage. Pour lancer les grenades, poser les mines, appuyer et maintenez. Ouais, non mais j'ai plus... Ouah, il me dit mousse 5, mais j'ai pas mousse 5. Ouh là là, ça. Bref. Oh. Tenue de nomade, on va la prendre. Parce qu'on va se changer, parce qu'avec cette tenue de... Comment? Ah. Avec cette tenue qu'on a, l'onglet inventaire, vous pouvez venir... Bah c'est bien. J'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Bref. Tenue. Blouse Voltec. Tenue de Noman. De Noman. Donc un peu de... Allez.
Je vais voir à quoi ça ressemble. On peut... Ah bah voilà, ouais. C'est moi ou c'est pas moi? Utilisez un mode de souris pour ajuster votre... Ah! Pourquoi j'ai plus l'arme? Pourquoi j'ai plus l'arme en main, s'il te plaît? Merci. Alors oui, ce sac, je m'en souviens, hein. Enfin, comme je vous l'ai dit. Je l'avais déjà fait dans le passé, ce jeu. Il y a fort longtemps. Dans les temps jadis. C'était avant le grand bouleversement. Le Covid. Oh! Pour la routière, requête. Bonjour. Je suis là pour une vidange. Un lèche-feu, arme de fortune, pistolet, scotch. Clé à molette. Mais pourquoi je prends la clé à molette alors que c'est... Ah! Steam pack. Très bien ça. On va par où? Merci. Non, parce que la musique, c'est bon, quoi. On est dans un endroit post-apocalyptique et lui, il met de la musique classe. Ah, qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? Ah, mais c'est le fameux chien qui... Salut. Salut, Jackie. Hey, salut, toi. Qu'est-ce que tu fais là, tout seul? Tu as perdu ton maître? Tu m'as l'air sympa, sac à puce. Allons-y. Bon. Tu m'as l'air sympa, toi. D'accord, on va faire un bout de route ensemble. Eh oui. Regardez le chien et appuie sur E pour commencer à lui donner des ordres. Hey. Allez là-bas. Ok. Bon, je suis sûr qu'il y a des trucs là. Il y a des trucs à prendre et des trucs à faire. Alors, oui, non, bon. Ah. Les capsules, 21. Cuillère à soupe, cuillère! Arthur! Pas changer, assiette pour fromage. Psycho? Pâté pour chien? Pinceau? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Ah, ça vaut de l'argent, ça. Argent d'avant-guerre. Mais arrête de... Oh, je vais te mettre une balle dans la tête, salaud. Non, mais il veut... Putain, c'est toi qui as ouvert la porte? Ouais, non? T'as un chien sacrément futé. Ah! Vas-y! Saleté. Putain, je les avais oubliés, ces saloperies. Ouais. Ils ont quoi, ça? Dents de râteau, vient de la peau. Capsule, ça, je prends. Là là, éteint. Ah, regarde-moi ça, on dirait des chats sans poils, mais encore plus dégueulasse. Bon. Oh, bonjour. Un Nuka-Cola, bah c'est bien. Bouteille de vide. Allez, bon bah c'est parti, hein, on s'en bat les couilles du reste. Fais voir au cas où. Non, il n'y a rien ici. Il n'y a rien là. On va aller. Allez. C'est par où? C'est par où? On suit ça. Je vais souffler. Ah! Ah! Ah putain, je les avais oubliés, ces saloperies. Tiens. Il est où? Il s'est barré? Alors, nous on se plaint de nos moustiques, mais alors ça? Hein? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah oui, c'est les vaches à. Ah! J'entends un moustique. Khmar. Khmar de tous les diables. Où sont-ils? Tu vas m'aider, hein? Bon. T'es bien gentil. Il y a moyen de fou. Là là, ça rame. Ah, parce que t'ouvres les portes, toi. Genre, quand t'arrives vers une porte, t'as... Le réticule porte... Ah ouais, d'accord. Oh. Ouais, bon. Ouais, c'est bizance.
On va voir l'étage un petit peu, qu'est-ce qui se passe. Et ben voilà. Boîte de drogue, psycho de buffoot. Quoi? Un cendrier? Et tire-toi de là. Alors, bon. Oh, niveau. Alors, on va tenir là pour ouvrir le tableau de la petite dame. Ok. Données. Quête. Stat. Non. Carte radio. Ah, faut maintenir tab. Ah oui, c'est vrai. Donc, là, comme vous pouvez le constater, j'ai un point d'XP. Il faut que je trouve... lequel ? Ah oui, j'avais mis 4 de partout. Point de fer, pickpocket, robuste. Laissez-vous guider par Voltec. Le chemin qui mène à votre objectif de quête le plus proche s'affiche en svav. Pistolero. Retrouvez l'esprit de la conquête de l'Ouest. Les pistolets non automatiques infligent... non automatiques, hein, oui, d'accord. Dénicheur de trésors. Vous avez appris à puiser dans les richesses les plus insoupçonnables du Commonwealth. Et trouver davantage de capsules. Ouais. Oh, on va prendre ça. Confirmer. Voilà. Et échappe. Non, hop, voilà. Oui. Alors, c'est par où? Bonjour. Oh, ça pétarade dans le coin. Ah oui, ça y est, je m'en souviens. On va faire le tour. On va faire le tour. Et prendre en embuscade ces couillons. Oh, bah regarde-moi ça. Allez, on prend tout. Non, ça sert à rien d'aller là. Ça nous referait venir là où on est. Ah bon, vous m'avez compris. Alors, bon. On va avancer un petit peu. Allez, donne tout. Allez, dans la poire là. Saleté de pillard. La sale race. Bon, alors, ok, j'ai compris. Il y en a d'autres peut-être. Voilà, musée de la liberté est découvert, c'est bien. C'est tout ce que vous avez dans le ventre ? Ouais. Bras droit de pillard. Ah oui, d'accord. Cagoule, tuyau, sous-vêtements, on s'en fout, dégage. Ah, qu'est-ce qui veut ? Qui êtes-vous ? Ah oui, c'est vrai, je l'avais oublié, lui. J'arrive ! Pas ma première partie. Hé, par ici, sur le balcon. J'ai un groupe de colons à l'intérieur et les pillards ont presque réussi à franchir la porte. Je vous en prie, prenez ce mousquet laser et aidez-nous. Ce mousquet laser. Mon cœur du temps. Bon, et donc plastron en cuir, allez. Waouh, j'ai un niveau en plus. J'en ai de la chance. Alors, bon. Inventaire. Tac, tac, tac. Pistolet de fortune, on s'en bat les couilles. Arme de fortune, arme de fortune, pistolet automatique, hein, ma bande. Oh. Ok, pour le moment, on va garder ça. Inventaire, soin. Cher de rat de cafard.
PV15, ouais, non, c'est la plus la merde, ça. Steam Pack. Ah bah non, j'en ai pas besoin. Je suis con. Ah, oui. Aidez-nous. Ok, chargez le mousquet laser en appuyant sur... Attends. Mousquet laser. Mousquet laser. Je peux rentrer? Oui, merci. Ah, il y a des gens. Ah! Ah oui! Bonjour! Ça va? Oh, mais ça pue votre. Ça pue la merde votre truc, attends. Merde! Je vais. Ah! Non, mais c'était une blague, les gars! Bonjour! Voilà, pleine tête! Bonjour! Ok. Il va falloir qu'on soit le plus discret possible. Oula, mais en fait j'ai presque plus de... des munitions. Bon bah... Mousquet laser. Ah. Oh putain, il va me le buter le con. Voilà. Oui. Je crois que je préfère ni l'un ni l'autre. Non, c'est par là. Non, à l'occupation britannique. Allez, d'accord. Ah oui, ça y est. Ouais. Alors. C'est très dangereux. Il faut être très vigilant. Ah, ça s'allume, ça s'éteint. Allez les gars! Ah bon? Oh putain, j'avais pas rechargé le con. Et quoi lui? Il est mort? Bon, très bien. Y'en a un autre? Y'en a un autre quelque part? Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, parce qu'il faut me le dire tout de suite les gars. C'est lui que j'ai Hagra. Ah oui. J'ai la pompe à double canon, point américain. Tous vos Hagra. Fais voir, qu'est-ce qu'il y a là? Ah oui. Jet, col miracle, pinceau, s'en bat les couilles. Ah d'accord. Alors, oui, novice, allez. Ah oui, c'est vrai. Là, il va falloir user de nos talents de hacker. Piratage, sélectionnez le mot de passe potentiel avec mousse 1. Si le mot de passe choisi est incorrect, le nombre de lettres correspondant exactement aux lettres du nom... du bon mot de passe, nature et position, s'affiche à l'écran. D'accord. Alors là... Non. Zéro. Part. Non. Rule. Zéro non plus. Je vais dire. Oh, une. Ah, c'est gentil, ça. Laser. Accès refusé, Nathan. Ah merde. Et si je... Ah, oh, pas bande de cons. De toute façon, vous êtes qu'une bande de cons. Qu'est-ce que... Ah, putain, j'ai pris quoi, moi? Jet, psycho, allez. Attends, parce que... Ah, tenue, arme. J'avais... Oh, bah attends, on va prendre ça, mon petit.
pas mal de munitions. On va prendre ça. On va récupérer les munitions sur le monsieur, là. Enfin, ce qu'il en reste. Armes de fortune. Après, je les vendrai, je prends tout. Armée. Bon. Non. Ah, le con, je me suis trompé de touche. Alors, on va fouiner. Regardez-moi ça, les décombres, là, les décombres. Et en 200 ans... C'est quoi, c'est... Ah non, c'est bon. Réveil, tasse de café. Bon. Hein? Rien? Et où? Et où? Y a quelque chose? Vous avez quelque chose? Vous avez quelque chose à dire, là? Bande de cons. Pardon! Je vous avouerai, j'ai un peu fait exprès. Couteau de table, brosse à cheveux. Putain, qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Carafale, col de cristal, fusible, je crois que c'est intéressant ça. Manta, épine de maïs, on s'en fout. Vous avez gagné un niveau de... J'ai pas tout lu. Alors, continue, hein? Bon, vous êtes toujours avec moi? Attends, dites-moi dans les commentaires si vous êtes toujours avec moi. Franchement, je dis qu'on devrait se barrer. Ouais. On va pas rester ici à attendre de se faire trouver la peau. Arrête de chier dans ton froc, on reste à notre poste. Comme prévu. T'es sourd ou quoi? Qui est là? Ah merde! T'as pas le droit de travailler! Allez donc! Que de billard! Ah oui, les munitions, c'est bien ça, les munitions. Putain, moi je suis un con, il y a une bonbonne là, et moi je tire comme ça normal dessus. Alors, faut que j'arrête de dire alors. Alors. Pause. Bonjour. Ah oui, ça donne sur absolument rien. J'arrive, bande d'enfoirés. Oui. Je vais vous faire la peau, je vous préviens. Je Mais sais. Arrête, où tu veux qu'ils aillent. On a autre chose à foutre, merde. Vous entendez ça? Faut que j'aille faire un tour. Mais quand je reviens, c'est mort. Vous êtes mort. Qui? Easy, easy, Pélo. Vas-y, tu veux jouer? Viens, on va jouer. Viens, on va jouer. Khmar. Personne à gauche. À l'intérieur. Non, y a personne à l'intérieur, les gars. Attends, fais voir ce fusil. Ce... fameux fusil. T'as cherché, là? J'en ai 30. Voilà, 26. Ah d'accord, c'était pas l'infini, les... Bon, bref. On va rester là-dessus. Ah putain. On va rester là-dessus. Bonjour. Alors oui. Cagoule, je sais pas, il y avait un plus à côté. Allons-y. Allons-y, allons-y. Medic, scotch. Clé à molette, de mécanicien. Clé anglaise. En avant-guerre, bah mon dieu. Bon, on a tous les Hagras. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, pas personne à la gauche. Ils sont sûrement à droite. Ah, mais c'est les copains. Enfin, c'est les copains, les futurs copains. Tac, hop. Jambière gauche, cuir, mes couilles. Ah, scooter de merde. Ah, le sac. Cocktail Molotov. Arme à verrou de fortune, fusil. Allez. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous tombez à pic. Uh-huh. Preston Garvey, des miliciens du Commonwealth. Parlez à Preston Garvey. Les miliciens de passage. Dette envers moi. Non, c'est pas ça. Avec plaisir. Dette envers moi. Dette envers moi. Ouais, bien sûr. Je vous donnerai mon coffre plein d'émeraudes quand on sera tous sortis de ce merdier.
peut-être. Non. Qui sont ces gens? Le monde a changé. Mes propres problèmes. Continuez. Le monde a tellement changé. Rien de tout ça n'a de sens. Vous allez bien? Écoutez, on a besoin de votre aide. Et peut-être qu'après, c'est nous qui pourrons vous donner un coup de main. Hein? Qu'est-ce qui vous amène ici? Personne disparue, un garçon ne pas répondre. Ça me regarde. D'accord. Faites comme si je n'avais rien demandé. Voilà. Mais on a toujours besoin de votre aide. Il y a un mois, on était 20. Hier, 8. Et maintenant, plus que 5. Arrête. D'abord, il y a eu les ghouls à Lexington. Et maintenant, ça. Des ghouls? Pas de bol. Monde cruel. Pas évident. Je vais faire comme si que je connaissais ce monde et que je sais pas ce que c'est que les ghouls. On vit dans un monde cruel. Vous croyez que je ne le sais pas? Non, c'est pas ça. Les trucs que j'ai vus et que j'ai dû faire. Ha. Bref, on a tous nos problèmes. On pensait pouvoir s'installer à Concorde. Hein? Mais ces pillards nous ont prouvé le contraire. Nom d'un chien. Mais on a encore une idée. Ça suffira? Dites-moi. J'espère que ça vaut le coup. Super. Une seule. Elle a intérêt à être bonne, alors. Sturgess, expliquez-lui. Il y a un vertiptère qui s'est écrasé sur le toit. Un vieux modèle qui date d'avant la guerre. Vous l'avez peut-être aperçu. Apparemment, un de ses passagers a laissé un truc pas piqué des hannetons. Ah bon, pas piqué des hannetons. Je parle d'une authentique armure assistée T-45. Pas piqué des hannetons. La... Pas piqué des hannetons, ça me fait penser à... C'est une expression vieille. Il y a moult utilisé à outrance par le youtubeur célèbre Amixem. Il arrêtait pas de dire ça, pas piqué des hannetons. Le nouveau. Nardin, armure assistée. Ça a l'air utile, c'est de la folie, ça me plaît. Ça me plaît. Je m'en doutais. Ouais, une excellente protection, avec un bonus non négligeable. Avec l'armure, vous aurez la force d'arracher le minigun du vertiptère. Et là, du coup, pour les pillards, c'est un aller simple pour l'enfer. Vous pigez? Minigun, ça peut marcher, c'est du suicide, bonne idée. Un minigun? Là, ça me parle. Sympa, hein? Bon, il y a juste un léger souci. L'armure est à sec. Ses batteries sont sans doute vides depuis un bon siècle. On peut la recharger, mais dans notre situation... Solution, je ne sais pas sans moi, était... Alors, quelle est la solution? Vous allez avoir besoin d'un réacteur à fusion standard d'avant-guerre. C'est une batterie longue durée, si vous voulez. Mais nucléaire. Du genre qu'utilisait l'armée et certaines sociétés privées dans le temps. Mais on peut pas y accéder. Il est au sous-sol, derrière une porte de sécurité. Écoutez, moi, je répare les trucs. Je bricole. Contourner les systèmes de sécurité, c'est pas vraiment mon truc. Mais vous, peut-être que vous pourriez essayer. Ah. Récapituler, peut-être. Non, oui. Oui. Ça ne devrait pas être trop dur. Je vais voir ce que je peux faire. Excellent. Peut-être que la chance est en train de tourner. Une fois que vous aurez branché le réacteur sur l'armure assistée et que vous aurez récupéré le minigun, montrez aux pillards qu'ils ont fait la vente de leur. On va tous leur niquer leur mère. Bonne tous. Chance. Terminé par la Preston, déverrouiller le portail de sécurité. Je sais où il est. Il est juste là. Ou là-bas. Ou quelque part par là. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Voilà. Allez, déverrouiller nos vis. Que j'ai complètement loupé. Ok. Alors. Je suis un hacker professionnel, laissez-moi tranquille. Vous savez pas ce que je fais? Moi je sais ce que je fais. Non, on va dire je sais pas ce que je fais. Rune. Round. Zéro. Bon. Fourth. Zéro, d'accord. Salt. Eh bah bon dieu. Worry. Mais nique ta mère, Axel. Les gars. J'avais droit à 4 essais, j'ai complètement loupé. Bon, je vous laisse. C'est par où la sortie? Ah, vous êtes pas très bavard.
Ah, j'ai droit à un second essai, c'est bien. Alors, ah oui, c'est vrai, ça change tout le temps après. Tiles. Tiles. Ça change tout le temps de Jones. C'est peut-être le lose. Non, il m'a mis à moins. C'est vraiment trop difficile. J'aurais besoin d'aide. Novice. Ah, mais c'est novice. Donc, bah, fallait... ça sert à rien finalement. Alors, bah c'est ça le truc qu'ils avaient du mal à accéder. Bah dis donc. C'est un coup les gars, ça faisait 20 ans. Installer le réacteur à fusion et l'armure. C'est un coup les gars, ça faisait 20 ans qu'ils attendaient. Alors que moi je suis né il y a plus de 200 ans. Alors l'armure assistée. L'armure assistée. Il faut passer par un endroit. 4. Ok, je suis complètement à l'ouest moi. C'est où l'armure assistée? Hein? T'es gentil, mais c'est où? Moi je vais prendre un ventilateur. Ah, attends, regarde. Oh, il y a des casiers, il y a peut-être des trucs. Non, il y a rien. Voilà, c'est bien. Peut-être qu'il faut sortir, je sais pas. Vous gagnez un niveau de Pip-Boy. Ah, il m'emmerde avec le niveau de Pip-Boy là. Oula, ça a bugué un petit peu. T'es comme tortue. Alors, encore un niveau. Agilité, chance, charisme. Allez, on va mettre un peu de force. Entrée. T'es bon? Bah, c'est bien. Non, c'est pas grave. Je sais pas par où je dois passer. Bande de voyous. Ça m'avait l'air d'être un musée sur l'Holocauste. Ah bah putain, mais je suis mal de... Vous pouvez me le dire dans le commentaire. Hein. Marvin, t'es qu'un con. Fallait juste monter. Et toi, depuis tout à l'heure, tu cherches la merde. Waouh. Ouais, ok. Oh là là. Je suis bloqué. C'est par là. Normalement. Tu me suis toujours, toi? C'est bien. Manta. Ah, je l'avais pas eu celui-là. Dégage, le chien, tu m'emmerdes, toi. God bless America. You know what I mean, you know what I'm saying. Pélo. Ouais, ce démon de peiné. Oui, ouais, non, qui êtes-vous? Mais où est donc Ornicard? J'avais déjà fouiné par là, j'avais déjà... En fait, ça sert à rien de fouiner tout de suite comme ça, là, de partout, parce que... Ah, merde. Oh, non. Comment je fais pour passer de l'autre côté? Non. J'ai essayé de sprinter, mais... C'est compliqué votre histoire. Hein. C'est très compliqué. Vous pouvez pas faire des choses un peu moins compliquées. Parce que là, moi j'aimerais bien terminer cette mission quand même un petit peu. Un petit peu quand même. On termine la mission et. Ah, c'est là. Voilà. Alors, comment. Des fois, il faudrait que je réfléchisse. Hein.
Rob Coffin, je prends. Ah oui. Ah d'accord. Briquet, essence, plaqué or. Plaqué or, attends, je prends. Bloc-notes abîmé. Alors, dites-moi dans les commentaires, c'est vous. Méfiez-vous. Quelque chose approche. Bon, j'ai lâché une caisse, oui. Je voulais vous demander si vous l'entendiez. Une grande côte. Oh ouais. Dans les commentaires. Valeur 300. Figurine perception, la seule l'observateur... Seule l'observation permet de détecter les faiblesses de l'ennemi. Votre précision. Permanent. Bon. À chaque fois, je me trompe d'eux. Touche. Je vais partir, s'il vous plaît. Bah, ça va, hein. Tu te portes bien pour un mec qui vient de prendre une balle dans la gueule. Bon, je vais rechercher. Bah alors, mamie. Mamie Ghoul. Du calme, du calme. Oui. Faire à repasser cuillère. Cuillère. Oh là là, j'ai... Cuillère. Ça va. Arrête de stresser, Poufias. Et ennemi. Mais je peux plus passer. Merci. Waouh. Un ordinateur. Allez. T'arrives à dire une bouteille de Nicocola. Ouais. Tout. Je prends tout, c'est le début, je prends tout. Après, je sais que j'aurai plus de place et. Commonwealth. Commonwealth. Je viens de m'apercevoir que mes vitres. Les fenêtres sont dégueulasses! Ouais, c'est nickel. Il y a des trucs là. Ah, ah. Ah, d'accord. Pas grave, scotch, pourquoi pas. Journal de mes couilles, montre à gousset de mes couilles. Montre à gousset, je sais pas, peut-être. Ça vaut quelque chose. Alors. Entrée, transférée. Ah, mettez l'armure assistée. Donne-moi ça. Oui, ça passe. Et ben on va rentrer. Oh, regarde-moi ça. La technologie. Ah, moi je vous dis, d'ici une vingtaine d'années, les armures assistées réduisent tous les dégâts subis totalement ainsi vos chutes. Je vous dis, d'ici 20 ou 30 ans, on aura ce genre de truc. Ah, moi je vous dis, moi. Minigun activé. Attendez. Là-haut. Eh chef, il y a quelqu'un là-haut. Où? Voilà. Qu'est-ce que t'as? Merde, bingo. Pourquoi tu descends pas nous montrer ton joli flingue de contrat? Voilà. C'est pas donné à tout le monde de tromper la vigilance. Là, je me sens surpuissant, là. Là? Ah non, j'ai tiré sur le muret, parce que je croyais que le muret se cassait. Mais non, je suis un sacré con, moi. T'attends, minable. Pourquoi il n'y a pas de curseur pour voir où je tire? Parce que je suis nul, moi. Grist, là. Mais tu m'emmerdes, toi. Ah ouais. Genre, je suis invincible, tiens. Chili con carne. Vous voyez quelque chose? Il n'y a plus rien. Ah bah si, il y a encore quelque chose. Ah bah peut-être qu'il faut que je descende, je sais pas. Ah bah oui, en fait, c'était ça. Il y en a un qui tire avec... Ah bah... Quoi, tu me tires dessus? C'est bien. Ah merde, j'ai plus de munitions.
Ah oui, bah oui. Oh là. Ok. Ah putain, oui. Crève, Sharon. Eh merde, j'ai plus de munitions, comment on fait? Comment on fait, j'ai plus de munitions? Ah c'est con ça. Ah bah oui, c'est con. C'est con ça. Ah c'est con. Oh merde. J'ai ça à la rigueur. J'ai tout utilisé en train de faire le con, bah voilà, bah j'ai plus rien. Et alors, Steampack. Qu'est-ce que je fais? Comment? Non, mais c'est pas moi. Heureusement qu'il y a le clébard. Putain, c'est faux que je le bute avec ça. Ah, mais il l'a tué le clébard. Ah, bah c'est con ça. Ah merde. Tiens, espèce. Ah merde, bah je crois que je suis mort. Hop, non, je suis pas mort. Steampack. Ah merde, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas ce que je fais. J'ai plus de munitions, moi! Je vais y arriver, je vais y arriver. Je suis pas loin. Non. Oh non. Eh ben, bah c'est bien. Écoutez les copains, on va en rester là pour aujourd'hui. Parce que voilà, ça fait une heure et ça fait quand même pas mal de temps que... Enfin, on s'en fout, bref. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, même si on est resté sur une défaite. Mais vous savez, rester sur une défaite, c'est pas forcément avoir perdu, hein. Eh oui. Donc, pour ma part, je vous dis... Pourquoi on se vous voit? Allez, on se tutoie. Je te dis à la prochaine. Enfin, je te dis surtout, abonne-toi. Abonne-toi, c'est le plus important. Active la cloche des notifications. Partage, like et commente. Tu connais la musique. On te le répète tellement souvent de fois que... Bah voilà. Hein? Voilà. Et donc, va aller voir ma chaîne principale. Le lien dans la description. Et écoute ça, ça c'est spécialement pour toi. En tout cas, le lien de ma chaîne principale dans la description. Et pour ma part, bah, je te dis, bah, porte-toi bien et à la prochaine. Allez, salut.